Bonjour et bienvenue à Ducascopie TV, je suis Elena Saizafarova. Aujourd'hui, pour déceler les facteurs du succès et les défis pour démarrer votre propre entreprise, nous accueillons Irma et Carla Kainjan, propriétaires de la marque suisse La Peau. Irma, Carla, bonjour, bienvenue. Bienvenue Elena. En 2006, vous avez repris l'entreprise de biotechnologie Bifutur Suisse. Comment avez-vous développé cette marque depuis le début? Alors, en 2006, nous avons effectué un management buyout de 14 investisseurs européens. Et on était les deux, on avait entre les mains un bijou antioxydant suisse avec des tests qui étaient tellement encourageants, des tests anti-âge, antioxydants, hypoallergéniques, hydratants, qu'on n'avait que le choix, on n'avait aucun choix, mais que de lancer ce produit toute seule. Alors, Carla et moi, nous avons décidé de défier le monde, les difficultés, et petit à petit, bouche à oreille, on a pu avancer et escalader cette petite échelle qui était assez grande, en fin de compte. Et pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, on est dans les meilleurs points de vente en Suisse et au niveau international. Et tout est fait, a été lancé par nous-mêmes, bouche à oreille, basé sur des références de grands spécialistes, des médecins, des dermatologues, des utilisateurs qui nous envoient jusqu'à présent au quotidien des témoignages sur les bienfaits de notre gamme de cosmétiques suisses. Votre entreprise est un véritable exemple d'expansion à l'international et vous êtes constamment en train d'établir de nouveaux points de vente. Quels sont les défis stratégiques actuels au niveau des réseaux d'expansion? Alors, on a une méthode de travail qui est assez atypique. On est deux sœurs et on a tout le continent à vendre nos produits. C'est des produits, il faut dire que d'abord, avant tout, nos produits sont vraiment, ils ont une texture inimitable qui font sur la peau. Alors, les consommateurs qui appliquent sur leur visage ont des résultats immédiats, visibles et tangibles. Ce sont des produits efficaces. Alors, c'est qu'on est bien sûr de l'efficacité de nos produits. Alors, on a des points de vente partout au monde. Je suis basée au Canada, en Amérique du Nord. Irma est en Suisse. On est 24 heures sur 24, on travaille jour et nuit. Nos clients sont toujours, quand ils nous envoient des courriels de partout au monde, ils ont toujours leur réponse. Et de points de vente, on est deux sœurs. Alors, on est en train de passer d'un pays à l'autre avec des points de vente. On est multiculturel. On a vécu dans plusieurs pays. Irma est suisse. Je suis canadienne. On a la société suisse. J'ai vécu en Chine. On est d'origine libanaise. Et on a un bijou antioxydant, comme est dit suisse. Alors, par contre, ce qui n'est pas très facile, c'est qu'on est dans ces pays, dans les plusieurs pays, on a fait 200 points de vente, mais on n'a pas encore trouvé le distributeur, le partenaire idéal qui peut ajouter une valeur ajoutée. Alors, on est en train de continuer avec notre travail qui est assez, avec des efforts continus, un travail assidu pour pouvoir justement faire le travail de tous les distributeurs de point de vue personnel avec 24 heures d'efforts continus. Mais quand on a la passion, c'est un plaisir, un pur plaisir de travailler. Justement, en parlant de passion, Exactement. Comment avez-vous réussi à lancer, à développer votre marque, à vous faire connaître sans un grand budget marketing? C'est ça qui m'étonne. Alors, quel rôle a joué votre passion dans le développement de votre produit pour le faire rayonner à l'international? Alors, je peux dire que déjà, si on n'est pas passionné, on ne croit pas en nous et à la chose entre nos mains, on ne peut jamais avancer. Alors, comme on avait un très bon produit, un bijou, quoi, antioxydant, et comme on savait qu'on pouvait faire, on avait cette passion de convaincre le monde qu'ils doivent connaître cette gamme parce qu'elle est trop bien. Alors, on n'a même pas eu peur, c'est-à-dire que tout est venu tellement avec une grande spontanéité. Et déjà, les gens, quand on parle, on est tellement passionné qu'on donne l'envie à cette personne de vouloir essayer ce produit. Et quand elle essaye, elle adopte. Finalement, c'est cette touche personnelle, cette passion qui est contagieuse, qui fait que
on croit en ce produit, on l'essaye et on l'adopte. Donc on pourrait finalement dire que c'est un marketing naturel, l'utilisation qui s'est fait au fur et à mesure. Oui. Alors, vraiment, c'est un marketing qui a débuté, par exemple, avec l'aide des grandes éditrices qui ont parlé de la peau dans les plus grands journaux, enfin, magazines de mode ou cosmétiques ou anti-âge, que ce soit Vogue, que ce soit Cosmopolitan, que ce soit Le Temps. Alors, on a toujours le support et références des sources crédibles, que ce soit des dermatologues de grande renommée, des chirurgiens plasticiens ou bien des éditrices qui savent comment apprécier de bons produits. Alors, des fois, on n'est même pas au courant, mais on est dans les plus grands magazines, que ce soit des New York Times, que ce soit la Tribune de Genève. On est partout, les gens apprécient, et ça aide. Et ajouter à ça le social media, il faut dire que c'est un outil assez... Un booster. Oui, un booster vraiment de notre stratégie. C'est assez... il faut mettre des heures, alors... Surtout la passion avec des heures de travail, c'est une conquête du monde, je peux dire. Vous commencez déjà à me répondre à la prochaine seconde question. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs de succès lors du lancement d'un produit, du développement et de la communication envers la clientèle? Alors, je crois que c'est très important déjà d'instaurer une touche personnelle. C'est-à-dire que ce qui est notre cas, on est toujours là, on est présent. On est parfois même présent dans les points de vente. Alors, ce qu'ils voient les propriétaires en direct, c'est-à-dire que s'ils envoient des questions, les réponses sont faites. S'ils sont par hasard, on est dans un des points de vente et qu'on voit les clients, nous sommes toujours là. C'est-à-dire qu'il y a cette touche personnelle qui aide beaucoup à donner la confiance aux nouveaux clients, à utiliser et à croire en ce produit. Et je crois que c'est très important, à côté de l'efficacité et de l'excellence du produit, il faut avoir cette touche personnelle qui est très spontanée, hein. Il n'y a rien de planifié là-dedans, qui aide justement à avancer petit à petit, mais avec une base très très solide. D'accord, donc toujours s'investir toujours, totalement, oui. Absolument à fond. C'est vrai, avant de commencer un projet, et avant d'avoir, on est passionné par un projet et ça demande des heures de travail. Et moi je suis assez convaincue qu'il faut mettre les 10 000 heures de travail assidu pour que dans le monde entier, si on veut réussir dans n'importe quel projet, que ce soit un musicien ou un scientifique ou bien un entrepreneur, il nous faut des heures. On ne peut pas devenir entrepreneur ou bien passionné d'une chose si on ne met pas les heures. Mêler la passion avec l'enthousiasme et la confiance en soi-même, je pense que c'est le succès de toute réussite. Est-ce que vous pouvez me donner 3 caractéristiques de la peau? Oui, moi je peux dire pure, efficace et le rêve de toute femme et homme. Moi je dirais un visage rayonnant, des compliments et un produit qui marche. Et le slogan de la peau? Je me sens bien dans la peau. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Vous avez regardé Ducascopie TV. À très bientôt.